Salomon Kalou parle. L'ex-international ivoirien, Salomon Kalou a pris part au tirage au sort des éliminatoires de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2023 qui a eu lieu le mardi 19 avril en Afrique du Sud. Groupe A très heureux du choix porté sur sa modeste personne par la Confédération africaine de football, CAF, le champion d'Afrique 2015 s'est prononcé sur l'issue du tirage dans certains groupes. Notamment, le groupe A composé du Nigeria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et Sao Tome ou Île Maurice, j'ai hâte. Je pense que pour le Nigeria qui est un habitué de la compétition, c'est un favori pour le premier ticket. Les trois autres pays se battront pour la deuxième place, a commenté l'ancien attaquant de Chelsea qui fait savoir dans la foulée que l'Égypte, finaliste de la CAN 2021, devrait guider le groupe D de la mort, devant la Guinée qui sont favoris pour les deux tickets. Je vois l'Égypte passer sans grand souci. Et la Guinée qui possède un bon jeu camposte à son ticket, a pronostiqué Salomon Kalou. Qui avoue ensuite que le pays hôte du tirage au sort, malgré un groupe K corsé, Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe et Libéria, devrait se qualifier pour la CAN 2023. Les Bafana Bafana sont au top et ils ont la capacité de réussir, a-t-il argumenté. En ce qui concerne le Sénégal, tenant du titre, qui hérite du groupe L avec le Bénin, la Mozambique et le Rwanda, le cadet de Banaventure Kalou estime enfin que les Lions de Sadio Mané ont eu la main heureuse. Lire aussi Ligue 1, l'Azekba, 3-2, le club omnisport de Korogo et se hisse à la tête du championnat, c'est vrai qu'il n'y a pas de match gagné d'avance. Mais, je pense que le Sénégal va s'en sortir sans écueil de ce groupe. Après derrière, ça va être chaud pour le deuxième ticket entre les trois autres nations qui se valent, à annoncer l'ex-buteur d'Hertha Berlin. À propos de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition prévue du 23 juin au 23 juillet 2023, la Côte d'Ivoire a hérité du groupe H avec la Zambie, champion d'Afrique 2012, les Comores, huitième de finale CAN 2021, et le Lesotho. S'il ne s'est pas prononcé sur le tirage des éléphants déjà qualifiés, Salomon Kalou annonce avec impatience une grande messe du football africain au bord de la lagune Ébrier. Ça va être une superbe Coupe d'Afrique. Nous avons l'habitude de ce genre de grand événement. Je sais que l'organisation sur place est à pied d'œuvre. Je suis impatient, j'ai hâte et je pense que tout le monde va se sentir chez soi en Côte d'Ivoire, a rassuré Salomon Kalou qui a participé à la cérémonie du tirage au sort aux côtés du Sud-Africain, Lucas Radebe.